tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de jouer de belles mélodies orientales avec votre guitare. Je vais vous montrer rapidement plein de petites astuces qui vont vous permettre de créer vos propres mélodies. Et puis rapidement, si jamais mes tutoriels vous plaisent et que vous aimeriez apprendre et progresser à la guitare avec moi, eh bien je vous propose un accès à vie et illimité à tout mon contenu en ligne. Ça représente plus de 20 heures de contenu vidéo inédit avec des tutoriels, des centaines d'exercices interactifs pour mettre en application ce que vous aurez appris avec moi, des vidéos playback avec accompagnement musical histoire de jouer vos morceaux préférés en conditions réelles avec les accords qui défilent, des centaines de tablatures et partitions téléchargeables au format PDF et Guitar Pro, et tout ça en accès à vie et illimité. Il y a déjà plus de 10 000 élèves qui ont choisi mes méthodes en ligne, et si vous voulez profiter de cette offre exceptionnelle, il vous suffira de cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou dans la description. Alors j'avais déjà fait une vidéo de ce style il y a à peu près un an où on jouait en tonalité de mi majeur et on créait des mélodies orientales. Cette fois-ci, on va jouer plutôt en tonalité de mi mineur. Pour créer nos mélodies, on va utiliser ce qu'on appelle une gamme. Rapidement pour les débutants, une gamme c'est comme un réservoir de notes qui vont nous permettre de créer des mélodies qui sonnent bien. Et là en l'occurrence dans cette vidéo, on va utiliser la gamme de mi mineur harmonique. Alors cette gamme elle est composée de 7 notes que je vais vous montrer rapidement. On va d'abord avoir la première note qui sera une note de mi, qu'on va retrouver sur la corde de la case 7. Ensuite, on va venir corde de la, case 9 et case 10. Juste en dessous, corde de ré, on va jouer exactement les mêmes cases, case 7, 9 et 10. Et enfin, la septième note la plus importante se trouve corde de sol, case 8. C'est la septième majeure, c'est elle qui va donner la saveur orientale de notre gamme. Et juste à côté, on va pouvoir rejouer la note de mi à l'octave qu'on avait jouée précédemment. Donc d'abord, je vous conseille tranquillement de jouer la gamme pour vous habituer. Vous voyez, lorsqu'on atteint cette note-là, on sent vraiment le côté oriental de la gamme. Et lorsqu'on remonte, on peut aussi venir jouer la corde de la case 6, parce qu'en fait, c'est l'octave de notre fameuse note juste en dessous. Alors on peut déjà commencer tranquillement à jouer sur la corde de la, nos quatre premières notes, case 6, 7, 9 et 10. Et on va déjà commencer à pouvoir créer de la tension, tout simplement en jouant plusieurs fois la même note. Par exemple, ça nous donnerait ça. Un petit peu de style à notre jeu, par exemple en faisant des hammers. Et pour faire ça, c'est plutôt simple, il suffit d'être avec son index sur une note de la gamme, de jouer la note, et ensuite avec son annulaire venir sur la prochaine note de la gamme en venant vraiment taper assez fort pour la faire résonner sans avoir à rejouer à la main droite. On joue ça lentement, et on peut faire aussi dans le sens inverse, c'est ce qu'on appelle le pull-off. Le pull-off, c'est le fait, en étant dans la même position, en ayant l'index sur une note de la gamme et l'annulaire sur la note suivante, eh bien, frotter avec son annulaire la corde vers le bas pour la faire résonner. Et du coup, ce qu'on aime faire dans la musique orientale, c'est des hammer pull-off, ce qui nous donnerait, vous pouvez le faire même à plusieurs reprises. On a aussi ce qu'on appelle le slide, c'est simplement le fait de glisser d'une note à l'autre de la gamme tout en restant appuyé sur le manche, ce qui nous donnerait, je passe de la 7 à la 9 et je peux passer directement aussi de la 7 à la 10. Donc déjà en appliquant ces premiers conseils, en jouant plusieurs fois parfois une seule et même note pour créer de la tension et en ajoutant un petit peu de style avec des hammer pull-off et des slides, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en parcourant la gamme. Et ce qu'on peut ajouter aussi pour enrober un petit peu notre jeu, c'est la corde de mi grave à vide. Étant donné qu'on joue en tonalité de mi, la corde de mi va pouvoir nous accompagner pendant qu'on joue nos mélodies. Ça peut être pas mal pour vraiment donner de la matière à notre jeu, par exemple. Thank you.
On peut faire aussi, c'est jouer avec les intentions. Pour donner du relief à notre jeu, vous l'avez peut-être remarqué, mais parfois je vais jouer certaines notes plus fortes que d'autres et je vais aussi parfois accélérer et décélérer. Hein, n'hésitez pas vraiment à vous amuser avec ça. Par exemple, je commence doucement, un peu plus fort, un peu moins. N'hésitez pas aussi à répéter vos motifs pour créer de la tension. Sachez que vous avez toute la latitude de sauter les notes de la gamme tant qu'elles font partie de la gamme. Par exemple, je pourrais passer de la corde de la case 7 à la case 10 sans passer forcément par la case 9 et même corde de la case 7 et juste en dessous case 9. Hein, n'hésitez pas. Et enfin, toute dernière chose, au niveau du son, vous allez remarquer que si vous jouez plutôt au niveau de la rosace, vous allez avoir un son très rond qu'on retrouve pas forcément dans la musique orientale. Et nous, ce qu'on va essayer de privilégier, c'est vraiment d'aller vers le chevalet, donc vers la droite, pour avoir un son plus pincé, un peu plus sévère, qui est assez caractéristique de la musique orientale. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec votre guitare, à parcourir votre manche, à découvrir ces nouvelles sonorités. Et puis moi, comme vous le savez, je poste plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc pour me motiver, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.